C'est la première fois au Salon du Livre. C'est mon premier salon, invité par la région Aquitaine. Parce que je me suis installé il y a un an et demi dans le Lot-et-Garonne, dans un petit village qui s'appelle Lognac. Et l'Éclat, l'association du livre d'Aquitaine, m'a proposé d'avoir un emplacement sur son stand. Et c'est, voilà, c'est mon premier salon. Hier je faisais un débat sur BFM avec Anne-Marie Métayer. Et Anne-Marie Métayer, c'est son 31e salon. Donc elle a fait les 31 salons du livre. Donc c'était assez rigolo d'avoir les deux visions entre une routarde de l'édition et un petit novice sur ce sujet. Donc le débat c'était sur quoi ? Le débat sur BFM c'était sur différents éditeurs. Il y avait Philippe Héraclès qui dirige le Cherche Midi, qui fait 160 titres par an. Il y avait Anne-Marie Métayer qui fait de la littérature, essentiellement littérature étrangère, qui publie 30 livres par an. Et il y avait moi qui était tout petit, qui fait 10 livres par an, qui fait du roman de découverte, de nouvelles voix. Et on avait chacun une vision évidemment différente de l'édition et une vision différente de l'événement du Salon du Livre. Donc pour certains, pour le Cherche Midi, c'est évidemment du business parce qu'ils rencontrent plein de producteurs, de traducteurs pour des sessions de droit étrangers. Pour Anne-Marie, bah, c'est une routine et aussi un moyen d'imprimer encore plus la marque. Et pour moi, c'est aussi un premier pas de faire des rencontres, de découvrir un peu mieux les différents éditeurs d'Aquitaine qui sont maintenant des collègues confraternels. Et voilà, c'est surtout pour ça, dans mon optique.